Salut Skatius, ici c'est Valentina dos Santos. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette look glamour, alors n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin et abonnez-vous. Et avec mon anti-cerne de chez Emma, je veux tracer les sourcils bien estompés vers le bas et vers le haut aussi, histoire que les sourcils sont bien tracés. Et franchement, j'aime trop cette anti-cerne. Cette palette, elle est magnifique. Elle est hyper pigmentée. C'est parfait pour tout le teint. Et avec ma base de chez Action. Oui, vous avez bien compris, Action. Cette base, elle sert en fait que le maquillage y tient plus longtemps. Que le fait paupières, elles sont mieux pigmentées. Je dis franchement, elle est nickel. Et là, avec mon pinceau pour estomper, je suis en train d'estomper les fards à paupières. Ça, c'est la partie plus délicate dans le maquillage. Si vous réussissez bien cette partie, alors je vous dis que votre maquillage, il sera bien réussi. Ça, pour ça, je peux mettre même mes mains sur le feu. Dès que vous utilisez les pigments, n'oubliez pas d'utiliser une colle pour fixer les pigments. Comme ça, les pigments, ils ne bougent pas et ils restent sur place où vous avez défini en fait. Là, avec la base et l'illuminateur, je veux illuminer les teints. La base est la chose plus importante dans le maquillage si vous voulez que votre maquillage tienne plus longtemps et vous voulez protéger votre peau. Plus besoin de me demander c'est quoi ton fond de teint préféré. Moi, je vote à 100% pour le Huda Beauty. Franchement, ce fond de teint, il est nickel. Ils sont hyper bons. Pour qui n'a pas encore utilisé, je vous conseille, mes sœurs, de le prendre et de le tester. Moi, je l'aime. Je ne change pas pour le moment. La peau de banane, elle est vraiment nickel. Franchement, c'est joli. Mais il faut bien l'utiliser. Il faut bien savoir faire la finition. Je sais que là, elle ne ressemble pas assez naturelle. Mais qu'est-ce que moi je fais? Je ne laisse pas poser longtemps. Et je fais un mix avec ma poudre que je fixe tout le visage. Et bientôt, vous allez voir qu'elle sera hyper naturelle. Ça va faire un look naturel chez elle. Je sais que chaque maquilleuse a ses choix de produits. Et moi, aujourd'hui, franchement, je suis en train de partager tout ce que moi j'aime, que pour le moment, je l'utilise tout le temps. Là, je suis en train d'utiliser mon highlighter de chez BK. Franchement, celui-là, il est idéal pour la peau noire. Ça illumine les teintes, ça fait vraiment une belle finition et ça fait pas too much. Pour qui n'a pas encore testé la nouvelle gamme des rouges à lèvres et des gloss de chez NYX, alors je vous conseille vraiment tous à tester. Il y a de tout. Il y a des rouges à lèvres mat. Les nouveaux suèdes, ils sont magnifiques. C'est vraiment mat. Et ça ne dérange pas dans les lèvres. Et les gloss, rien à dire. Moi, je kiffe. Et vous, testez alors. Bon, là, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais seulement partager avec vous tous les indices, toutes les marques de maquillage que moi j'aime. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et vous abonner sur ma chaîne, ok? Je fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Ici, c'est Valentina dos Santos. Ah oui, ouais, c'est bon.